Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents donc, pour cette nouvelle conférence donc, qui portera sur le thème de la localisation, cartographie et mobilité. Donc en présence de Daniel Bourreau. Je rappelle les petits liens donc, pour poser les questions en ligne. Donc sur menti.com, vous pouvez aller sur la page www.menti.com avec le code 17 73 62, donc posez vos questions en direct pour la partie table ronde qui suivra dans 45 minutes. Je rappelle également que le MOOC SNT sort demain, donc les préinscriptions sont ouvertes, les cours seront lancés dès demain, donc vous pouvez retrouver soit à l'adresse suivante, soit directement en allant sur le site de Fun MOOC pour vous inscrire donc pour les contenus SNT qui seront mis à disposition à partir de demain. Je vais vous laisser du coup la présentation et puis on se retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous, et puis merci à tous ceux qui vont suivre ce cours formation sur ce que j'ai appelé, moi, le temps, les horloges, pardon, et le GPS, parce que tout est lié, en fait, et c'est qu'une histoire d'opportunité, de performance qui a conduit aujourd'hui à l'arrivée du GPS et des autres systèmes. Donc, en particulier, par exemple, pour dire, je suis collectionneur, j'essaie de collectionner des montres, j'essaie de collectionner des cartes, bon, pas de ce niveau-là, et ensuite, je parlerai aussi de science, et peut-être d'art, si j'ai le temps, pour montrer que tous les artistes regardent les scientifiques et trouvent de l'idée dans leur, comment on appelle ça, pour leur création, pardon. Alors, le temps. Le temps, pour les étudiants, entre guillemets, ou les scientifiques, c'est une chose importante, puisque lorsqu'on travaille dans les unités, nous avons ce qu'on appelle un système international d'unités, le MKSA, mètre, kilo, seconde, ampère, auquel il faut en rajouter trois quand même, le Kelvin pour la température, la mole pour la quantité de matière et le candela pour l'intensité lumineuse, sachant que pour six de ces unités, il y a des instruments de mesure, et pour l'intensité de mesure, ce n'est pas une mesure directe en fait. Alors, ce système international d'unités, on pourrait croire qu'il est tout stable, mais en fait, il y a un bureau international des poids et mesures qui se réunit très régulièrement. Il y a un grand nombre de personnes qui travaillent donc en France et qui, par exemple, le 16 novembre dernier, donc j'ai pris ça il y a quelques semaines sur leur site, ils ont donné des nouvelles recommandations quant aux unités à prendre. Donc, la plupart des unités n'ont pas changé, mais il y a quelques. On va dire les derniers chiffres significatifs de certaines peuvent changer de temps en temps. Donc, il est important de vérifier toutes ces unités, sachant que ce qui va changer, c'est des constantes qui sont régulièrement mesurées, remesurées, et en fonction de la précision des instruments que l'on va avoir, bon, on peut améliorer la précision de ces constantes physiques. Alors, les unités, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au système, c'est le MKSA, mais il peut y avoir des unités dérivées, comme ici le steradian, qui n'est pas du tout dans le système classique. Et j'ai repris un tableau carrément du Bureau international des poids et mesures, donc je l'ai cité. Et par exemple, quand vous prenez le steradian, en termes d'expression de base par rapport aux unités, pardon, unité de base du système international, on s'aperçoit que c'est des mètres carrés par mètre carré, mais ces unités, on ne peut pas les simplifier. J'utilise par exemple régulièrement des hertz par hertz. Et en fait, ce sont des hertz efficaces par rapport à une bande passante de 1 hertz. Donc, je n'ai pas le droit de simplifier parce que c'est peut-être la même unité, mais ce n'est pas la même notion physique. Donc, on n'a pas le droit d'unité de réduire tout ça. Alors, si je regarde bien, si je prends par exemple le Pascal au hasard, en fait, c'est des newtons par mètre carré. Les gens peuvent utiliser ça comme autre unité intermédiaire. Et sinon, c'est des kilogrammes, mètre moins 1, seconde moins 2, et etc. pour tous des tas d'unités que l'on connaît. Ensuite, il y a une table 4 qui a aussi un nombre important d'unités qui nous servent régulièrement, mécaniciens, électromécaniciens et autres. Et en fait, si je compare table 3 et table 4, je m'aperçois que 90% des unités, des expressions utilisées, enfin des unités dérivées, 90% de ces unités utilisent la seconde dans son système. Et à peu près 75% utilisent le mètre. Ce qui veut dire que le temps, pour tout ce qui est physique, est relativement important. Donc, le temps ne s'écrit pas pareil dans les deux mots, mais c'est.
Alors ces temps, j'ai voulu les noter d'une manière au départ astronomique, puisque en fait c'était les astronomes il y a 5 siècles, 10 siècles, qui travaillaient sur la mesure du temps. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient regarder les étoiles, et les étoiles comme elles sont périodiques, enfin les étoiles ou les planètes, les étoiles sont périodiques au niveau de la rotation autour de nous, et donc il fallait bien compter ce temps, comme comment il s'appelle la comète de Halley. Halley a découvert une comète qu'il a prédit qu'elle allait revenir 76 ans plus tard, et à quelques jours, quelques semaines, ça s'est bien passé. Donc nous, alors je me suis mis sur l'année bissextile. L'année bissextile, c'est tous les 4 ans, on rajoute une journée, donc la moyenne, c'est 365,25 jours. Et si on regarde bien par rapport à l'année grégorienne qui fait 365,2425 jours, qui a été définie sous le pape Grégoire en 1582, il se passe qu'entre l'année grégorienne et l'année bissextile, il y a à peu près, je repointe, pardon, il y a à peu près 10 minutes, 11 minutes de décalage. Okay, donc c'est pas si énorme que ça à l'échelle d'une année, c'est vachement précis. Enfin, c'est très précis, pardon. Pareil pour tropique bissextile, différence sidérale, année sidérale bissextile. Et vous voyez les définitions, donc c'est soit par rapport à l'étoile fixe du zodiaque, la périodicité des saisons, etc. Et si je compare tropique moins grégorienne, il n'y a que 26 secondes de décalage. Okay. Donc depuis tout temps, les gens ont regardé les planètes. Donc par exemple, pour définir l'année sidérale, il faut regarder une étoile lointaine, une étoile fixe. Se rappeler aussi que la Terre sur elle-même, c'est 23h56, c'est lié au déplacement du Soleil qu'on arrive aux 24 heures qu'on utilise classiquement. Okay, donc ce temps est important. Et hélas, on va dire hélas, ce temps n'est pas constant. Puisqu'il y a l'équation du temps. L'équation du temps, en fait, c'est l'avance. La Terre tourne autour de son axe dans le plan de l'équateur, autour du Soleil dans le plan de l'écliptique, là, ce plan qu'il y a autour ici. Et l'équation du temps, c'est l'avance et le retard de phase du Soleil par rapport à un mouvement uniforme dans l'écliptique qui doit se projeter sur l'équateur. L'équateur bouge aussi en fonction de l'axe nord-sud, pôle nord, pôle sud de notre planète. Et on peut avoir l'équation du temps qui varie sur une année, de l'ordre de plus ou moins 10-15 minutes. Ceci est observable par une prise d'image tous les 10 jours en 10 jours, le matin à la même heure. Bon, faut faire attention si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver, faut prendre garde à ce genre de choses, on en parle pas mal en ce moment. Et on voit cet effet d'une jolie ellipse qui s'appelle un analemme, qui est connu de tout ce qu'on appelle tous les astronomes. Donc le temps, vous voyez, depuis très longtemps, les gens y regardent, et ils regardent même depuis pas mal de siècles, puisque si je regarde cette machine denticitaire en bas à gauche, qui était utilisée par les Grecs, moins 400 avant Jésus-Christ à peu près, cette machine permettait soit de mesurer la position des planètes quand on connaissait le temps, soit de mesurer le temps quand on connaissait la position des planètes. Les Chinois aussi ont réalisé des horloges à partir d'eau. Okay. Huygens a essayé, mais bon, il a eu des petits soucis techniques. J'ai noté ici tous les astronomes qui ont travaillé. Je sais que ça se décale, je suis désolé. Tous les astronomes. Et ensuite, je parlerai d'une personne qui est relativement importante, Harrison. Je parlerai aussi de Graham. Et à la fin, je parlerai des horloges primaires qu'on appelle des horloges césium. Okay. Alors, cette personne qui a réalisé cette application numérique s'appelle David Wayne Allan. Je ne sais pas si vous connaissez. Cette personne travaillait dans un laboratoire d'équivalent des Bell Labs et qui travaillait sur la mesure de fréquence. Donc, il faisait la mesure moyenne de cette fréquence pour regarder ces variations, mais il a créé la variance de Allan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette variance, qui permet d'étudier ensuite l'écart type, qui permet de donner une information sur comment varie cette fréquence au cours du temps. À noter aussi que les Mayas mesuraient, eux, plus des choses liées à la Lune et avaient une précision quand même presque de 1, 2, 3, 4, 5, 5 chiffres significatifs, ce qui est quand même remarquable, en sachant qu'ils ont disparu à peu près juste après l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, sachant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, je pense. C'est d'autres soucis qui se sont passés. Donc c'est juste pour l'histoire du temps. Maintenant, se localiser, mais toujours avec un peu d'histoire, pour intéresser aussi les profs d'histoire à la science. Les sciences s'intéressent à l'histoire, donc il faut bien faire le retour aussi. Alors savoir que la boussole, c'est les Chinois qui ont découvert cela au 1er siècle,
C'était des sorciers pour les autres, parce que quelque chose qui bouge comme ça, c'était un peu bizarre. L'orientation n'a été utilisée que 10e, 12e siècle, de telle manière à savoir dans quelle direction on allait pour ne pas se perdre, en fait. La latitude, donc c'est l'astrolabe, c'est la machine d'Anticythère. Astrolabe en grec, ça veut dire l'instrument pour mesurer la hauteur des astres. Je ne parle pas grec, hein, je fais confiance à d'autres scientifiques. Et il y a aussi l'arbalète. Si on regarde bien l'arbalète, on voit les bateaux, on voit la tenue de cette personne. 1583, c'est juste après la Renaissance, après François Ier et Léonard de Vinci. Enfin, il y a le sextant, et ensuite le sextant moderne, qui a été utilisé ici par Tycho Brahe, qui était un astronome. Et Tycho Brahe faisait des mesures très précises des étoiles et planètes autour du Soleil. Et en fait, son assistant mathématicien, qui n'était pas astronome, mais mathématicien, c'est Kepler. Donc les gens entendent parler des lois de Kepler, qui ont été vérifiées ensuite par Newton, ou Newton a vérifié les lois de Kepler, je ne sais pas, mais les deux concordaient, ce qui a permis de montrer que c'était les planètes tournaient autour du Soleil, certainement, dans une ellipse, dont le Soleil est l'un des foyers. C'était relativement important à l'époque. Alors pourquoi c'est important? Parce que ensuite, pour se positionner, il faut calculer la longitude. Et la longitude, le problème, c'est que la Terre tourne sur elle-même, tourne autour du Soleil. Et pour se repérer, il faut connaître la position relative des planètes pour pouvoir se positionner sur Terre. C'est ce que faisaient les personnes. Donc, ils mesuraient la position des étoiles. Et grâce à ce qu'on appelle une table de... Zut, je vais trop vite. Et grâce à une table de navigation ou des éphémérides, eh bien, on pouvait reporter sur notre carte terrestre notre position, comme ceci. C'est juste des calculs d'angle, donc les premiers à avoir travaillé là-dessus, c'est Thalès, Pythagore aussi. Alors, savoir qu'à ce niveau-là, le mile marin, c'est défini par une minute d'angle à l'équateur, okay, et donc c'est facile à mesurer. Donc, à l'équateur, une minute d'angle, c'est 1852 mètres, c'est bien la définition du mile marin. Donc vous voyez l'importance des horloges, d'autant plus que si on veut voyager, si on a une horloge à un endroit donné qui est massive et stable, okay, lorsqu'on va se déplacer, on ne va pas vouloir se déplacer avec des grosses horloges, on va se déplacer avec plus petites horloges qui peuvent avoir un décalage de temps. Et ce décalage de temps peut engendrer un défaut de position. Et donc de ce défaut de position, par exemple, si j'ai une erreur de 4 secondes, j'ai un delta de position de 1 mile marin. Okay. Donc, dès le début, les gens ont travaillé sur des horloges précises, marines, et des horloges marines d'avant, au niveau du 12e, 13e siècle, voilà ce que ça donnait à peu près. C'était une grosse mécanique. D'accord. Alors, en France, on parlait de la position des horloges par rapport au méridien de Paris. Parce que tous les pays travaillaient avec, c'était les royautés à l'époque, donc travaillaient avec les méridiens de leur capitale. Alors le méridien de Greenwich, l'origine vient d'autre chose. En fait, les chemins de fer, c'est 1927. Et aux États-Unis, il arrivait parfois qu'un train était en gare, il était à une heure donnée par rapport à une ville. Et l'autre train était parti à la bonne heure par rapport à l'autre ville, mais les horloges n'étaient pas calées, et il y a eu donc des accidents, plus des accidents de croisement, donc là c'est pas un train, c'est un funiculaire. Donc il y a Fleming, donc c'est pas celui qui a inventé la pénicilline, mais un autre, qui a proposé la mise en place de fuseaux horaires. De son origine britannique, eh bien, il a implémenté, il a défini cela par rapport la ville de Greenwich, et ce méridien était pris en compte au niveau international en 1892, et la France ne l'a adopté qu'en 1911. Donc elle ne l'a pas adopté tout de suite. Donc ça, en international, on voit ça dans tous les standards, les normalisations. Tous les pays ne prennent pas tout en même temps. C'est une évolution, c'est de la négociation. Donc il y a des gens qui travaillent du point de vue scientifique et technique aussi sur toutes ces négociations, que ce soit mécanique, électrique ou tout ce qu'on veut. Les Britanniques, de nouveau, on en entend beaucoup parler en ce moment. On fait un appel d'offres en 1714 de telle manière à trouver une méthode de mesure permettant de calculer la longitude applicable en mer.
avec une précision mieux que 55 km à peu près à l'équateur. Et le test, c'était le test transatlantique, donc la traversée de l'Europe vers les Caraïbes. John Harrison a répondu en 1761. Son premier voyage, il avait un écart de quelques secondes entre la Grande-Bretagne et la Jamaïque. Simplement, la royauté, donc Harrison n'était pas noble, n'a pas tenu compte trop de ses résultats et lui a donné qu'une petite obole. Le deuxième voyage, John Harrison était malade, c'est son fils qui s'est déplacé. Et en fait, bon, soit il savait moins bien régler les horloges, soit bon, il y a eu des défauts. Et en fait, il avait 54 secondes sur 60 jours, là, c'est mieux précisé, et ça correspondait quand même aux besoins anglais. Donc ils ont eu une prime, mais pas la totalité. En 1772, John Harrison a offert au roi d'Angleterre une montre, plutôt un chronomètre, on appelle ça, qui donnait un tiers de seconde d'erreur par jour, ce qui est relativement faible. Alors, Harrison avait travaillé avec Edmond Halley, qui avait besoin d'un horloger pour faire son calcul de 76 ans pour le retour de sa comète, a travaillé aussi avec George Graham, que vous ne connaissez pas, mais George Graham, en fait, a utilisé les travaux d'un Français qui s'appelle William Clément. Au départ, les horloges faisaient tic, 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 parce qu'il n'y avait qu'une petite, un petit marteau. Donc il y avait une erreur qui avait toujours le même signe. Et le système de William Clément, c'est qu'il y avait un tic et un tac, une erreur dans un signe, une erreur dans un autre signe, donc la valeur moyenne de l'erreur était diminuée. Toute son invention est là. Donc George Graham a repris ce système d'échappement à ancre sans recul, parce qu'il y avait un système, il y avait un petit flottement, et c'est lui aussi qui a inventé enfin, qui a mis en place les aiguilles des secondes sur le système. Okay? Donc vous voyez les horloges de l'époque. Applicable en mer, il y a le tangage et les roulis, donc il faut les prendre en compte tout ça. Et à la fin, vous voyez l'origine des montres Gousset que tout le monde avait dans les années 1800-1500, qui était un signe de pouvoir, de noblesse et de tout ça. Okay. Donc James Cook a embarqué un peu plus tard aussi pour ses voyages avec son horloger Kendall, mais Kendall n'était qu'un voleur de brevets parce qu'il a repris tout ce qui avait été fait sinon. Et vous voyez, donc moi. Voici mon lieu de travail ici, là, sur cette petite baie dans le rade de Brest. J'habite un peu plus haut. Et voici la carte de la rade de Brest réalisée par un Français. Donc, est-ce qu'il avait les mêmes horloges? J'en sais rien. En 1764, ce qui est quand même ceux qui connaissent la rade de Brest assez précis. Pardon. Puisque si je compare une carte, alors cette carte, je dois l'avouer, j'ai dû la récupérer sur Internet il y a quelques années, 4, 5 ans, 6 ans, mais bon, là. Tectonique des plaques fait que ça bouge pas trop. Okay? Donc à l'époque, quand même, c'était assez précis. Ça sent que cette image s'est prise par un satellite, quasiment, aujourd'hui. Donc on monte très haut et on fait la mesure, sachant qu'en 1764, on ne pouvait pas aller voyager dans l'air. Le premier voyage humain en montgolfière, c'est 1782. Donc les gens voyaient la rade de Brest en passant par les étoiles, comme un miroir, pour arriver. C'est une honte. Ta, 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 pour arriver à aujourd'hui, à ça. Alors, pourquoi faisait-il ça? La première chose, c'est en fait éviter les accidents. En Bretagne, aux Caraïbes, il y a plein de rochers, donc il peut y avoir des accidents de navire. Et ensuite, bon, auparavant, les années 1500-1600, c'était les conquêtes, découvertes, propriété des territoires. On pouvait mettre sa marque à un endroit, il fallait être capable de revenir au même endroit pour dire j'étais là avant vous. Après, il fallait éviter les ennemis. Les Anglais, les Espagnols, les Portugais et les Français se battaient pas mal. Et donc, les navires de commerce, alors j'ai des commerces normaux et les négriers, essayaient d'éviter les ennemis. Et donc, les navires de commerce pouvaient être accompagnés par une flotte de guerre à ce niveau-là. Au milieu de l'océan, on pouvait voyager tout seul puisqu'il n'y avait pas grand monde au milieu, donc on rencontre presque personne. Et arrivé à l'autre extrémité, dans l'autre sens pareil, il fallait se retrouver avec une flotte amie, donc avoir un rendez-vous. Et ce rendez-vous, comment est-ce qu'on pouvait avoir un rendez-vous? Ben, il fallait avoir une vigie qui regarde et qui dise voilà l'horizon, voilà bâbord, tribord, etc. Okay?
Et en fait, la distance à laquelle on voit un bateau, ça c'est pour les profs de lycée qui veulent faire de la trigonométrie appliquée, c'est un exercice d'élèves de première, je crois, celui-là. Le bateau, donc, à une certaine hauteur, donc j'ai repris la Santa Maria, l'Hermione, qui sont des bateaux assez connus, hein. Et en fait, la vigie pour la Santa Maria n'était qu'à 15 mètres, il voyait à 13 km à l'horizon, donc entre cette distance D1, tandis que l'Hermione, qui avait un mât jusqu'à 50 mètres, pouvait voir jusqu'à 25 km, ce qui est quand même important. Okay. Et le passage de cette hauteur de mât, en fait, c'est la technologie des haubans qui permet de tenir plus de voiles, de tenir plus. C'est de la mécanique. Okay. Donc une chose ne se fait pas toujours toute seule, il faut avoir des liens entre tout. Bon, ça c'est gentil, c'est très scolaire, sauf qu'il y a des personnes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Schnell Descartes, Schnellius Descartes, qui disent que les rayons vont dans le vide, ils vont tout droit, et ensuite. Vous vous promenez au bord de mer, vous voyez une île, parfois vous voyez la plage, parfois là vous ne la voyez pas, c'est l'effet des indices, okay, un peu comme des mirages, on arrive à voir les choses. Et donc ce qui se passait, c'est en fonction de la météo locale, ben, on pouvait voir pardon, plus ou moins loin. Ce qui fait qu'il n'était pas toujours très probable de trouver le rendez-vous. Donc c'était très dangereux. Et jusqu'à présent, sauf si j'ai fait une erreur, hein, je pourrais le revoir après, j'ai toujours parlé de navires de commerce. Et de flotte de guerre. Et quand je parle de flotte de guerre, c'est pas un navire, c'est un ensemble de navires qui faisaient des ronds dans l'eau, un peu comme un maillage de filets, pour attraper le bateau ami. Et de temps en temps, bah, il attrapait des bateaux ennemis, mais bon, ça c'était la guerre, entre guillemets. Donc quand vous voyez Pirates des Caraïbes qui se dirige vers son île juste avec une boussole, voilà. C'est bien un film d'anticipation, science-fiction, je ne sais pas comment on peut dire. Parce qu'il y a des gens qui se posent encore des questions, une boussole, on peut se diriger. Non, il ne faut pas penser comme ça. Donc tout ça, vous voyez qu'à l'époque, c'était assez guerrier. En 1776, il y a un monsieur qui a prôné l'économie libérale. 1776, monsieur Alan Smith. Et à un moment donné, il définit comment dire, le pouvoir absolu, entre guillemets, c'est de pouvoir transporter les matières. Et au lieu d'avoir des colonies, en fait, sont arrivés ce qu'on appelle les comptoirs. Okay? Bon, les Chinois disent que les comptoirs, ils ont signé des accords un peu l'arme sur la tempe, parce que ça a été signé à leur désavantage. Mais donc tout ça a permis de voyager dans le monde, d'accompagner les navires de commerce sans se faire voler les affaires et tout ça. Donc il y a un rôle économique guerrier, mais guerre économique dit son nom aussi. Donc voilà l'histoire du GPS. Alors vous allez me dire, maintenant. Alors maintenant, on va refaire un petit peu d'histoire du début du siècle. 1880-90, Marconi, Tesla inventent la radio, okay, enfin la transmission radio, pardon. Le radiotélégraphe, c'est en même temps ou après. Et en fait, 1902 a été posé au phare du Stiff un radiotélégraphe qui avait une portée de 8-10 km, à peu près. C'était pas énorme, mais c'était suffisant quand même pour aider les navires à ne pas se mettre sur les rochers. 1904, John Fleming invente l'ancêtre de la diode, c'est encore un autre Fleming. La diode, c'est deux électrodes, et la portée du radiophare ou du radiotélégraphe, pardon, passe à peu près 30-40 km. Donc en électronique, il y a une diode. Et si on rajoute une électrode, on fabrique un transistor, mais qui n'existait pas à l'époque, c'est 1950, l'invention du transistor. Et donc, Lee De Forest a inventé ce qu'on appelle la triode, quelque chose qui est comme ça, qu'on voit sur les vieux postes radio, ce sont des lampes, des tubes, je ne sais pas comment on appelle ça, chacun appelle ça un peu à sa manière, on retrouve tous ces noms. Et on trouve un effet amplificateur, et la portée du phare du Stiff, au niveau du phare du Stiff, c'était à peu près 300 km, ce qui prévient quand même assez longtemps. Okay? Je note l'Odion ici, parce que c'est une marque de Chenifi aujourd'hui et qui fait référence à ces inventions-là de l'époque. Alors les premiers radiophares, c'est 1911. L'idée, c'est d'émettre un radiophare qui émet un signal. Et là, ça va être au lieu d'avoir une transmission, c'est le bateau qui va détecter cette position. C'est de la triangulation, hein. Il y a un émetteur qui est positionné à un endroit dont on connaît sa position géographique. On a les cartes locales. Et par triangulation, un bon rapporteur. Il faut quand même se reporter par rapport aux normes magnétiques. Et donc, on arrive à se positionner sur la carte. Si on a trois émetteurs, bon, on se positionne aussi. Inversement, les Allemands, pendant la guerre, trouvaient les émetteurs des résistants par goniométrie. De cette manière-là,
en inverse, ce qu'on appelle la triangulation. Et juste pour information, il y avait les Allemands avaient positionné au niveau européen 3 stations, une à Nantes, une à Munich et à Hambourg, pour voir un panorama européen, on va appeler ça. Et ensuite, dès qu'il y avait, vous voyez des émissions, ils mettaient ça en local. Et très rapidement, ils localisaient. Donc, et vous savez ce qui se passait ensuite. Sont arrivés ensuite le LORAN et Omega, qui utilisent ce qu'on appelle les hyperboles de position. Quel mot barbare. Et en fait, quand vous avez une surface d'eau, vous mettez un petit point régulier à la surface de l'eau, ça fait des vagues, des jolis cercles. Et vous mettez la même période sur un autre point, en décalage de temps si on veut, mais la même période, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir ces hyperboles qui vont être créées. Et en fait, ils avaient trouvé des astuces pour mesurer directement ces hyperboles. Donc il y avait un émetteur maître et 2 émetteurs esclaves. Entre celui-là et celui-là, on pouvait trouver les hyperboles de position et se positionner sur cette ligne-là particulière. Pareil sur la seconde. Et donc, on pouvait se positionner géographiquement. Okay. Donc, ensuite, sont arrivées des mesures de phase. Silédis, vu son nom, système léger pour mesurer la distance, donc c'est assez français. Donc, c'était pour les navires qui venaient très au bord des côtes pour ne pas aller talonner et s'endommager. Et il y a aussi la partie civile, Siletrac, dans les années 90. Et pourquoi je parle de Siletrac? On est à Nantes, et donc il y a eu des essais de faits à Nantes. C'était une époque 90 où les chauffeurs de taxi, étaient régulièrement attaqués, donc il y a eu quelques morts, pour vider leurs caisses, quoi, leurs recettes. Et donc après, donc ce système Siledis, c'était pour avertir qu'ils étaient attaqués. Et en même temps, comme ils étaient localisés, ils renvoyaient leur localisation. Donc, il y avait une action qui était beaucoup plus rapide pour les aider, les protéger. Donc, il y a eu plusieurs villes de France et ensuite, ça a été abandonné. Au niveau des mesures de phase, du système, voici un système qui mesure la trajectoire des obus, des mortiers. On peut même détecter certaines balles. Donc, on peut savoir qui tire, d'où on tire. Et comme on connaît la loi de la trajectoire d'un obus, d'un mortier, on peut retirer d'où il vient, si on connaît la topographie de ça. Donc toutes ces mesures, vous voyez que ça donne plein de choses. Et au fur et à mesure du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 30, on savait faire que de l'amplitude, de la modulation d'amplitude. Les radios à l'époque étaient que de l'amplitude. Il y a eu de la modulation de fréquence un peu, mais c'était un peu particulier. Et donc tout ça était fait au fur et à mesure. Et les mesures de phase, c'est vraiment les années 60-70, on a commencé à s'inquiéter pour faire ces mesures-là, ce qui nous sert aujourd'hui pour nos portables, hein, c'est indéniable. Et donc qui permettent de faire avancer les choses, d'être plus performants technologiquement. Ensuite, localisation, ça c'était la localisation terrestre, 2D en surface. En localisation 3D, en fait, le premier système par satellite faisait des mesures de Doppler, c'est le système Transit, qui a été imaginé en 1958 par les Américains, un an après que les Russes aient fait entendre Sputnik. Et donc ensuite, ils ont continué à travailler sur les satellites. Alors, ils étaient déjà à travailler sur les satellites, hein, c'est au niveau de la publicité, 1957, hein. La première liaison par satellite en 1962 a eu lieu entre Plummer Baudou et Andover, qui est proche de Boston. Okay, donc c'est 1962. Okay, donc il y a pas mal de choses qui évoluent. Alors la mesure de Doppler et le GPS qui a été imaginé en 1968, un an après que l'horloge césium donne la définition de la seconde, donc juste un an après. Par rapport au système international, c'est la fréquence de transition hyper fine de l'état fondamental de l'atome de césium qui donne cette fréquence. Alors, j'ai parlé de mesures du GPS, et le GPS fait des mesures de temps. Voilà pourquoi j'ai défini le temps au départ par rapport aux horloges. Et on verra ensuite qu'il fait des mesures de phase. Je ne parle pas des pseudo-distances, c'est encore d'autres choses. Après, ça se complique techniquement. Alors, le GPS, c'est un système de satellite, mais il n'est pas tout seul. On parle aujourd'hui de GNSS, on en parlait avec monsieur tout à l'heure. Donc le GNSS, c'est GPS, GLONASS, qui est russe, le GPS c'est américain, GLONASS est russe, Galileo est européen et Beidou est chinois. Donc ce sont des satellites qui sont à peu près à une altitude moyenne de 20 000 km
Ils utilisent aussi, on verra un peu pourquoi tout à l'heure, des satellites géostationnaires qui sont, eux, à 35 000 km. Géostationnaire, ça veut simplement dire que pour la télé par satellite, par exemple, ben, toute la journée, vous voyez le satellite au même endroit. Il ne bouge pas par rapport à vous, donc il suit le mouvement de la Terre. Okay? Alors, moyenne orbite, en fait, ils tournent autour de la Terre, il y a une variation relative, donc ils n'arrêtent pas d'évoluer, on n'a jamais le même satellite devant nous. Donc les périodes orbitales sont entre 12 et 14 heures environ pour tous. Le nombre de plans orbitaux, pardon, c'est 3 pour la plupart, 6 pour les Américains. Simplement savoir, bon, les positions des satellites, les fréquences des satellites, c'est des choses qui se payent. Donc il y a des histoires financières, certainement. Je vous donne aussi le nombre de satellites opérationnels et ceux qui sont en cible, c'est-à-dire il y a des systèmes en déploiement pour l'instant. Donc les Américains, c'est 31, 24 pour GLONASS. Galileo, ils prévoient 30, ils n'ont que 14 installés en mi-2017. Je n'ai pas pris le temps de regarder les dernières avancées. Il y a 4 à 5, 6 satellites qui sont lancés par an. Et les Chinois qui veulent atteindre 27, donc sont aidés à 15 en 2017. L'application première de tous ces systèmes, c'est pour les armées. Le GPS au départ était pour l'armée. On peut dire que c'est un radar, okay, mais il peut servir donc entre autres aussi au guidage des avions dits furtifs, parce que pour être furtif, ben, il ne faut pas parler, il ne faut pas avoir son propre radar, il faut que ça soit, les informations viennent d'ailleurs. Donc ici, il y a deux avions de chaque catégorie, américain, russe, européen, chinois. Donc, GLONASS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui parlent le russe le sauront. Beidou, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui parlent chinois le sauront aussi. Voilà. Alors, le GPS, qu'est-ce que c'est? Au niveau du satellite, c'est une architecture matérielle. Donc, ça, c'est mon domaine principal. En fait, il y a deux fréquences porteuses, 1575 MHz et 1227 MHz, qui sont reliées par rapport à ce qu'on appelle une fréquence pilote, qui est de 10-23 MHz. Sur chaque satellite, il y a des données, sa position, sa vitesse, est-ce que mon horloge est précise, et il y a plein de choses qui sont envoyées par le satellite. Et il y a deux codes. Il y a un code qui s'appelle CA, qui s'appelle acquisition grossière, course acquisition. Sa période est de toutes les millisecondes, il renvoie des informations. Okay? Un code de précision. La période, alors c'est noté pour le signal L2, c'est un usage plutôt militaire, c'est haute précision. Période très longue, plusieurs semaines. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ces codes longs, pas longs. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'un satellite ou que les satellites émettent, font un top, ou démarrent l'émission de ces périodes d'émission, ils émettent tous en même temps, c'est synchrone. C'est comme si tout le monde part en même temps. Et donc il faut un chef d'orchestre, ce qu'on appelle une master clock en électronique. Et pour le GPS, à Boulder, au Colorado, en plein milieu des USA, parce que si on veut détruire le fonctionnement du GPS, c'est la première chose qu'il faut détruire. Voilà, donc ils le mettent au milieu de leur territoire. Alors il y a un code par satellite. Alors la notion de codage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, non? Peut-être pas. C'est un mot binaire. En l'occurrence, pour le code court, il y a 2 puissance 10 moins 1 bit qui sont émis, donc 1023 bits, qui sont émis à la vitesse ou à la fréquence de 1,023 MHz. Donc la trame dure une milliseconde. Comme on renvoie toutes les millisecondes, en fait, on envoie un flot de données continu, mais répété. Ils envoient a tout de suite, excepté bien sûr les données du satellite qui peuvent évoluer. Alors, un code, c'est un mot. Mais en fait, les codes, ils vont avoir des propriétés. Et en particulier, je vais essayer de passer via l'animation. Voilà. La première propriété, c'est l'autocorrélation, c'est-à-dire on compare le mot avec lui-même. Alors un élément binaire, il y a un niveau haut que j'ai mis à 1 et un niveau bas que j'ai mis à moins 1. Volontairement, je n'ai pas mis à 0. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à expliquer. Je multiplie les deux termes, moins 1 par moins 1, ça donne 1, 1 par 1, ça donne 1, et ainsi de suite. Et quand je fais la somme, ou la moyenne, plutôt, je fais la moyenne. Putain, c'est pas vrai.
Je le compare, par rapport à lui-même. C'est normal qu'il soit corrélé. Mais la corrélation ne s'arrête pas là, puisque je peux faire un décalage dans le temps. OK? Et donc, je m'aperçois que je vais avoir des variations d'amplitude de cette corrélation. Et donc, j'aurai un pic au moins, donc le premier, parce que le mot par rapport à lui-même. Et que ce que je vous disais, c'est que le satellite envoie un code. Et vous, si vous connaissez ce code, vous allez pouvoir déterminer le temps de retard du signal qui vient en faisant cette analyse. OK? Donc ça, c'est l'autocorrélation, comparaison, du mot avec lui-même. L'intercorrélation, c'est la comparaison entre deux mots qui sont supposés de même longueur. Okay? Eh bien, en comparaison entre deux mots, bon, ça évolue au cours du temps. On fait la même chose, hein, on décale dans le temps et on va voir ça comme ça. Et un code, c'est un mot ou ce sont des mots particuliers qui, pour un code, va avoir un seul pic en autocorrélation et tout le reste au niveau bas. Et si on a deux codes orthogonaux, c'est comme ça que c'est dit ici aussi, tout reste au niveau bas et il y a zéro pic. Donc si je vise un satellite et je me trompe de code, je ne vois rien. Si je vise un satellite que j'ai le bon code, je vais pouvoir découvrir ce qui s'est caché derrière le code. Et tout ce codage, ça va de plus tard que tout ce qu'on veut, Da Vinci Code, où il fait ce petit code pour retrouver le message. D'accord ? Donc on peut avoir plein de choses, d'idées. Donc ça, c'est le bâton de Plutarque, via Black et Mortimer, pour ceux que ça intéresse, qui utilise cette méthode. Hein. C'est l'époque, c'est pendant la guerre 39-45 que ça se passe. Donc voilà, un code, c'est quelque chose de particulier. Et grâce à ce code, on va pouvoir estimer le retard du message. Donc sur le code civil, même pour le système militaire, les satellites qui tournent au-delà de la Terre, bon, on va choisir, il y a 31 satellites, je crois, donc il y en a le satellite 1 et le satellite 31. On prend un code, est-ce qu'il est là? Il n'y a rien. Je teste un autre, et ainsi de suite, puis à un moment donné, il va bien y en avoir un qui va répondre aux critères désirés. Ensuite, tous les autres satellites, ils sont ordonnés, ils ne se doublent pas, c'est pas comme une course, ils sont tous à la file, ils sont tous ordonnés. Et donc, je vais pouvoir savoir si je vise un satellite, je sais ce qu'il y a autour, donc je vais pouvoir aussitôt pouvoir synchroniser, récupérer les informations des autres satellites. Okay? Donc ça va assez vite, jamais assez vite pour nous, mais ça va assez vite. Ensuite, il va y avoir une option. Alors là, du point de vue optionnel, quand on mesure ces retards en fonction du temps, donc on peut mesurer des delta t, des t1, t2, en fait, ce qui se passe entre les informations, ce n'est pas ce qui se passe du point de vue statistique. Donc, on ne peut pas faire d'interpolation. Par contre, quand je viens faire une mesure de phase, je sais que la phase, on va dire, est continue et monotone, d'une manière plus sympathique, elle peut être linéaire, entre deux points. Ce qui me permet d'interpoler entre deux points et d'avoir des notions plus précises. Okay, je mesure des temps, des instants, et j'ai des paquets. Et puis moi, mince, le bon point, il est au milieu. Donc il faut que je trouve une idée pour interpoler. Donc ça, cette mesure de phase va permettre d'aller plus précisément. Ça, là, c'est le GPS qui fait ça tout seul, avec l'option. Alors pour calculer la position, c'est assez simple. C'est un truc de première terminale qui, en fait, un satellite, vous avez un temps de retard. La vitesse de propagation des ondes radio, c'est la vitesse de la lumière. Donc x égale vt. Donc on connaît la distance. OK. Donc on a une sphère, un deuxième satellite, ça donne une deuxième sphère. Intersection de deux sphères, c'est un cercle. On prend une autre sphère, donc ça fait un autre cercle, ok, et ainsi de suite. Donc ça fait un cercle, deux cercles avec une troisième sphère. Et la dernière sphère, on va dire, c'est pour lever des ambiguïtés, refaire des calculs. Et en fait, comme sur les panneaux que vous voyez, enfin les panneaux papier que vous voyez en ville, vous êtes ici. Sachant que, personnellement, en technique, je ne connais pas le signe égal, j'ai toujours des petites erreurs, du bruit, il y a plein de choses qui interviennent. Et en fait, on va avoir une zone d'erreur, on va avoir des décalages, on verra ça un peu plus tard. Ceci est dû aux imprécisions, parce que tous les cercles, si ça se trouve, ils ne se touchent pas, d'accord, ils ne se croisent pas, donc il n'y a pas de solution exacte, il y a des solutions où on a une distance minimale ou minimum.
Et en 3D, ben, ça donne une espèce de tâche qui va faire que ben, on est à peu près ici. OK? Alors, comment améliorer la précision? La plupart du temps, on fait une valeur moyenne. Parce que c'est des choses qui aléatoirement vont être. Il va y avoir un barycentre, un centre quelque part. Bon, ça peut être une idée. C'est peut-être pas la première qu'on va faire, parce que quand vous roulez en voiture, si vous commencez à faire ça, il faut faire 30 km avant d'avoir la valeur moyenne. Donc vous allez avoir des soucis pour vous diriger. Okay? Donc c'est peut-être pas ça qu'on va faire. En fait, les militaires sont gentils, ils nous donnent une partie de leur fréquence, une partie de leur code qui permet d'utiliser la deuxième fréquence. Donc avec deux paramètres de données, on peut faire quelque chose de moyen, donc on peut mieux se positionner. Okay? Alors, deux fréquences. Oh, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Donc la première partie, c'est la valeur moyenne, et ensuite, c'est un code rapide et long. C'est-à-dire, si dans le même temps, au lieu d'envoyer un nombre de bits de 1000, on en envoie 1 million, ils vont être plus précis chacun dans le temps, donc je vais être plus précis partout, donc je n'ai pas besoin d'interpoler et tout ça, donc je vais arriver à être mesuré précisément. Ensuite, c'est on met deux fréquences porteuses, justement, on a accès à une partie de cette deuxième fréquence. Problème, vous avez entendu parler de l'ionosphère qui est au-dessus de nous. Cette ionosphère, elle a un contenu électronique, il y a des électrons, des ions qui sont là-dedans, qui font que ça perturbe les ondes radio, et en fait, la vitesse de propagation va dépendre de la fréquence. Et comme c'est là-haut, ben, je ne connais pas tout comment ça se passe. Exactement. Et là, c'est là que peut être intéressant aussi de mesure de phase, parce que le retard du temps lié à la ionosphère, ça ralentit les ondes. Si on fait une mesure de phase du signal radio, on s'aperçoit qu'on va avoir une avance de phase. C'est vachement bien, parce que je vais pouvoir contrecarrer. Mais en fait, dans le système à résoudre, il y a des inconnus parce que je connais les signaux d'une manière périodique et je n'ai pas la valeur absolue. Et donc, j'ai un petit peu d'inconnu encore. Donc, cette ionosphère, j'ai un collègue, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, avant la présentation. Il y a un certain nombre de. Il y a peu de personnes civiles qui travaillent là-dessus en France. Là, il y en a un en moins, entre guillemets, parce qu'il est parti à la retraite, mais s'il continue à travailler, il y a eu un émérita. Et donc, voilà, le constat, c'est des choses difficiles, mais nécessaires à notre système, GPS ou les autres. Alors, quand même, pardon. Il reste des erreurs. Et justement, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois qu'on a un système qui est assez compliqué, c'est que. Quelle est la chose qui donne le maximum d'erreurs? Quelle est la chose qui donne le minimum d'erreurs? Bon, les technologies électroniques sont tellement bonnes aujourd'hui que bon, on fait des erreurs de l'ordre de 30 cm simplement à cause du bruit non, c'est pas ça, c'est l'autre. À cause du bruit du récepteur. L'erreur principale, c'est la ionosphère. On a des erreurs de 5-15 mètres, jusqu'à 15 mètres, c'est quand même beaucoup. Donc, va falloir trouver d'autres techniques, d'autres solutions pour arriver à résoudre les problèmes. Alors, ionosphère, je vais expliquer ensuite, c'est la scintillation. Là, ce qui est noté sur cette carte, c'est intéressant, c'est de voir la fréquence de ces problèmes de ionisation. Ce n'est pas continu comme c'est ici, dit ici, c'est des bulles, des nuages qu'il y a dans la ionosphère. Et donc, il y a des endroits, ben, nous, quand on a des nuages, on ne voit pas le soleil. Donc, c'est pareil, on ne voit pas le satellite, il passe à travers ces ions. Donc, il va perturber la zone. Et en même temps, d'autres fois pas, d'autres fois non. Et le problème majeur, en fait, c'est l'équateur et les pôles nord et sud. Bon, après, la localisation, les satellites tournent, la Terre tourne. Bah, il faut un fil qui relie tout ça pour se synchroniser, pour se référencer au niveau de la position. On va parler de référentiel. Bon, j'ai oublié aussi par rapport au multi-trajet, 0,6 mètres pour l'instant, ce n'est pas la chose qui va nous importer le plus. On travaille plus sur les horloges de satellites, puisque les horloges de Galileo vont 10 fois, 5 minutes, 10 fois plus précises. Alors, perturbation physique de l'ionosphère. C'est l'effet du soleil. Le soleil crache des particules. C'est une bombe nucléaire.
Et donc ces particules, grâce au champ magnétique terrestre, n'arrivent pas à traverser, mais le champ magnétique terrestre se reboucle, hein, c'est Maxwell qui a montré ce genre de choses, et au pôle nord et pôle sud, on aura des aurores qui font que va y avoir de l'ionisation et ces particules vont embêter la propagation au pôle nord. Au pôle, à l'équateur, en fait, ce sont les photons qui arrachent des électrons, il y a le mouvement de la Terre. Là, je suis moins spécialiste, donc je m'arrêterai là, mais il y a plein d'effets physiques qui sont encore à modéliser, donc il y a de la physique fondamentale à travailler là-dessus pour mieux comprendre les effets. En tout cas, cette ionisation, ce sont des nuages d'ionisation, et donc il y a des effets entre le satellite et la Terre qui sont dans l'espace, donc en fonction de la direction, et du temps, puisque, par exemple, ici, il y a l'effet apparaît plus le soir et la nuit qu'en plein jour, par exemple. Et donc, tous les satellites ne vont pas être affectés en même temps de la même manière. Et donc, derrière, il y a des algorithmes avec un grand S, parce que ça va dépendre du fabricant, qui vont choisir les satellites. Et les fréquences, c'est ce que je vous disais, sont affectées différemment et la fréquence la plus basse est plus affectée, mais comme elle a un code très long, et très rapide et très long, on a de la précision quand même. Et là, le GPS a commencé à envoyer, il doit y avoir 7 ou 8 satellites qui ont une fréquence supplémentaire, L5, qui est encore plus basse, qui doit permettre encore d'améliorer la précision. Alors, référentiel. Donc le WGS 84, c'est l'ensemble de la Terre qui n'est pas une sphère, elle est un peu aplatie. Donc il faut calculer la position. Donc là, les cartes sont peu précises. En Europe, nous avons EGNOS. Les Américains, ils ont ESBAS. On verra tout à l'heure. Donc EGNOS, en fait, il y a des stations terrestres qui mesurent leur position. Et en fait, du point de vue géographique, comme elles ne bougent pas, on connaît parfaitement leur position. Donc on va pouvoir comparer. On va avoir des performances jusqu'à 10 cm. Et s'il y a des erreurs pour la trajectoire, c'est des problèmes de référence entre pays ou de coordination des données entre pays. Afrique, Amérique du Sud, ils sont entre pays. L'URSS, c'est des problèmes de taille du pays, principalement. Et donc, c'est ce que je disais, EGNOS mesure la position. Vous mesurez votre position. EGNOS mesure la position des stations de base que vous avez ici. Il y a plein de stations de base. OK. Ben, vous pouvez faire du maillage et de l'interpolation avec des fonctions mathématiques que l'on veut. Mais vous, ça ne vous intéresse pas parce que vous ne savez rien. Donc il y a le système différentiel qui utilise EGNOS. En fait, va envoyer les informations de correction à mettre, du delta. Et vous, vous appliquez cette correction delta, vous allez avoir une valeur exacte, bon, avec un problème de correction certainement. Et en fait, au-dessus de nous, il y a 3 satellites géostationnaires pour l'Europe. Il y en a d'autres pour les États-Unis et ainsi de suite, qui vous permettent de recevoir ces informations. Donc à chaque fois, je rajoute quelque chose, en fait, dans votre GPS, c'est du matériel électronique en plus, c'est du calcul en plus, donc un circuit numérique de plus en plus complexe. Alors le GPS différentiel, lui, il utilise les mêmes fréquences que le GPS, par exemple, et vous avez des codes différents, tout simplement. Alors, votre application première, vous, c'est, enfin pour nous, c'est le GPS, la direction et l'aviation civile. Alors je vais me diriger vers ça. Donc, si on veut une trajectoire, en fait, il faut prendre le plus court chemin. Et on nous a toujours dit que le plus court chemin, pardon, c'est la ligne droite. Donc, quand on a un chemin comme ça, c'est pas tout à fait vrai, sauf qu'il y a des modèles avec des images qui nous permettent de retrouver le chemin le plus court. Donc derrière. Il va y avoir des obstacles. À partir de ces lignes droites, on va tracer ce qu'il y a autour, le plus court. Et on va regarder ce qui se passe. Et pour trouver le plus rapide, il faut intégrer les pauses. Là, vous pouvez intégrer en enseignement le lièvre et la tortue, puisque le lièvre va plus vite, mais il prend tellement de pauses qu'il arrive en retard. Le deuxième système, c'est RGP. Alors, EGNOS, c'est européen. GPS, c'est mondial. EGNOS, c'est européen, on redescend d'une échelle pour descendre au niveau français. Et Réseau National GNSS Permanent, c'est une application payante. Et en fait, ils ont créé un système différentiel de précision centimétrique. Là, c'est intéressant pour tous ceux qui font du géomètre, du guidage d'engin, des choses très très précises.
Et donc, simplement, c'est une application payante parce qu'il y a des personnes qui travaillent. Donc, il faut bien rémunérer toutes ces personnes. Alors, derrière chaque GPS, vous avez un code NMEA. Si les deux premières lettres ne sont pas GP, pour prendre la nomenclature du code, donc il faut savoir lire le code. Le dollar et l'étoile, ça permet de calculer la parité binaire du mot. Si c'est pair, c'est bon. Si c'est pas pair, c'est qu'il y a une erreur dans le lot. Donc il faut refaire une requête pour redemander les choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est cette planche que j'ai oubliée tout à l'heure, que volontairement. Voilà. Standard, pour le GPS, on mesure la courbe en rouge sur 24 heures, sa position. On fait plus ou moins 6 mètres, plus ou moins 6 mètres de chaque côté. Si on fait la mesure de phase, c'est la courbe en bleu, on améliore les choses. Si on passe maintenant en mesure de temps, toujours, mais en différentiel avec un géostationnaire, donc ECNO, c'est la zone Europe, ESBAS, la zone Amérique. On s'aperçoit que la courbe en vert est quand même commence à être précise. Si on est assisté par un système comme tout à l'heure, la station de base locale, on peut avoir quelque chose de relativement précis. Et si à ce moment-là, vous faites une mesure de phase, vous avez une précision centimétrique. Ce n'est qu'à partir de là que vous avez ces précisions-là. J'ai presque terminé. Et donc derrière, GPS, donc les idées et tout ça. Galiléo, le but de Galiléo, c'est d'avoir une horloge 10 fois plus précise. Le GPS a deux horloges césium, c'est pour la précision, deux rhodium, c'est pour la robustesse, pour ne pas tomber en panne. Chaque horloge, c'est plusieurs millions d'euros. Plusieurs, ça commence à deux. Et pour l'horloge de Galiléo, c'est encore plus, c'est encore multiplié. Donc dans l'horloge de Galiléo, qui s'appelle ACES, il y a Pharaon, c'est pour l'horloger d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite. C'est un nom français, donc ça a été développé en France. C'est le projet européen le plus cher de tous les temps. Okay, c'est celui qui a coûté le plus. Alors, sans que vous sachiez, la mission BepiColombo Colombo est partie le 18 octobre dernier. Elle a été prévue en 2015, parce qu'il y a eu de retard sur cette horloge. Okay. Et le but de BepiColombo Colombo, c'est de vérifier les équations d'Einstein pour la précession de Mercure. C'est dû à, comment dire, la relativité générale et les ondes gravitationnelles. Pour l'instant, on fait des mesures, mais la moyenne tend à dire qu'Einstein a raison, mais on a trop d'erreurs pour avoir une certitude. Donc le but de cette mission, c'est d'envoyer deux sondes qui vont tourner autour de Mercure et d'avoir une précision qui différencie bien les solutions. Okay? C'est important de vérifier tout ça. La France continue toujours à travailler sur les oscillateurs. Besançon est une ville qu'on a connue pour certains avec l'affaire LIP. C'est les employés qui avaient repris l'entreprise qui était en train de couler dans les années 74. C'est à Besançon. Dans l'eau d'Oups, d'Oups d'Oua, comme dirait un chanteur. Et là, l'idée, c'est de fabriquer des horloges de précision, c'est du 10-14. Vous imaginez que la précision pour Galiléo, c'est 10-16 ce qu'il faut. Et ceci dans un volume d'un demi-litre, ici. Alors, c'est des mesures de laboratoire, c'est tout thermostaté, c'est pas dans l'environnement direct. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé de temps, d'horloge, de GPS et pas que, parce que je peux l'appliquer aux autres. Et ensuite, au niveau scientifique et tout ce que l'on veut, les scientifiques servent toujours à tout un tas de personnes qui écrivent des livres, définissent des films, des scripts de films et tout ça, et tous les auteurs. Et en particulier, Chronique martienne de Ray Bradbury, hein. Il a repris des histoires de l'époque, hein, c'est 1950 à peu près, tout ça. La persistance de la mémoire de Dali, il reprend les effets du temps définis par Einstein et d'autres. Okay. Et comment il s'appelle? Donc Lewis Carroll, pour Alice au Pays des Merveilles, il se moque un peu, c'est-à-dire il remet en question, j'ai mis là, j'ai pas dit qu'il se moquait, toutes les théories qu'a définies Hamilton.
et des formalismes d'Hamilton, ils reviennent au goût du jour. En fait, Hamilton a défini ce qu'on appelle le quaternion. Le quaternion, c'est l'espace x, y, z, ok, et le temps pour définir tout son formalisme. Et ça marchait. Ceux qui ont pris ça après lui, c'est Einstein et d'autres, sauf qu'ils ont mis que le temps n'était pas qu'évoluer au cours du temps, par exemple la mesure d'horloge et tout ça. Donc tout ça pour dire que tout ce qu'au fond nos chers lycéens, les logs, les trigonométries, fonctions, séries, stats et tout ça, c'est des choses qui nous servent au jour le jour pour traiter tous ces problèmes, différenciés, hein, parce qu'il y a plein de petits problèmes, et pour les mettre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces informations denses mais intéressantes. Je vais demander à mes invités du coup de me rejoindre sur le plateau pour la partie table ronde. Je vous laisse vous installer. Donc nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau Héloïse Denis Péchard pour Atlanpol et Stéphane de Goébir-Briand. C'est bien prononcé ? Pour Ernest et Kéran. Donc j'ai récupéré une partie des questions en ligne et du coup la première qui revenait était on a bien vu avec cette présentation qu'il y avait énormément de choses à dire, que c'était un thème qui était on va dire à cheval entre de la géographie, des mathématiques, on peut parler d'histoire, on parle forcément de technologie, on peut parler aussi pour des enseignants en SVT, ça peut aussi il y a des choses aussi qui font écho. La question était justement comment on peut réussir à simplifier un peu tout ça, sur quoi on doit essayer, s'il y avait des bases en fait sur lesquelles on peut se fixer pour des enseignants, voilà, pour des élèves de seconde, hein, on rappelle, par quoi faut commencer en fait, peut-être. Simplement, par exemple, c'était une question du bac il y a 6 ans, 7 ans en mathématiques. C'est intersection de cercles. On définissait des cercles sur la surface du sol. Et il fallait définir l'intersection des cercles. Et il y avait une carte. Il fallait savoir où on était en Europe. Donc il y avait un côté Allemagne, un côté France. Il n'y avait pas de décision. Des choses comme ça pour montrer que ce qu'on fait, donner l'égalité de deux équations, enfin, que deux équations soient égales, on trouve des solutions. C'est des choses qui vont servir, bien sûr, des choses telles le GPS. Donc à l'époque, ma fille qui avait passé son bac à cette époque-là, ne savait pas tout à fait ce que c'était. On en avait parlé juste comme ça. Et en fait, bon, c'est une application directe. La trajectoire, trouver le plus court chemin, trouver des choses comme ça, un peu plus complexes, avec des miroirs qui peuvent être vus en optique, ce sont des choses assez simples. Après, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est tout ce qui est statistique, probabilité. Pour le numérique aussi, hein, on essaye de voir est-ce que ce mot, ce code, quelle est sa probabilité d'être robuste, pas robuste, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Je comprends bien que là j'ai tapé large parce que je veux aussi intéresser les historiens, s'intéresser aux sciences physiques. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, qui travaillent vraiment là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut montrer aux gens. Que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est il n'y a qu'un siècle, deux siècles, mais c'est en fait c'est des mémoires de plusieurs siècles. C'est ça. Moi, je trouve ça aussi important. Je vais effectivement juste rajouter. Alors, moi, je suis plutôt dans l'usage de ces systèmes-là. Et donc du coup, on les utilise assez régulièrement, que ce soit les systèmes de GPS différentiel temps réel pour faire en cas d'usage typiquement des relevés de réseaux d'assainissement qui ont besoin d'une précision alors à la fois planimétrique et puis à la fois aussi en altimétrie. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise ces systèmes de précision en temps réel, parce qu'ils ont, aussi cette performance de pouvoir faire baisser, enfin d'augmenter la précision au niveau altitudinal, j'allais dire. Et c'est extrêmement important. Donc on parle de réseaux gravitaires, par exemple, en hydraulique urbaine, qui sont des cas d'usage qui nous sont régulièrement montés. Là aussi, il y a, alors
pour les lycéens en des cas d'usage, il y en a une foultitude absolue. On voit qu'il y a une démocratisation depuis la fin des années 90, début des années 2000, de l'usage des technologies du GPS. On en a tous aujourd'hui dans nos portables. Des cas d'usage autour des images satellites. Aujourd'hui, dans nos métiers, Google est passé par là avec Google Earth, Google Street View, etc. etc. Donc il y a un certain nombre de programmes d'une certaine forme de démocratisation et une vulgarisation de l'information géographique au sens large qui s'est effectuée aussi grâce au GAFA et puis à l'informatisation et au digital et l'expansion des technologies du numérique. Aujourd'hui, on a tous un GPS dans nos smartphones, quasiment, qui est relativement précis. Nous, on l'utilise pour nos applications de façon assez régulière. Et il y a après pour les lycéens, etc. Il y a des petits jeux qui peuvent être sympas. On m'a fait découvrir avant-hier moi, un jeu. Alors, j'ai plus le lien en tête. Éventuellement, je vous le redonnerai dans le cadre du MOOC. Mais vous pouvez être parachuté dans un endroit de la planète et vous devez retrouver exactement là où vous êtes grâce aux images satellites, aux images Google Street View, etc. Un peu comme le film, je vous avais vu ce film qui s'appelait Lion de ce jeune indien qui a réussi à retrouver d'où il venait grâce aux images de Google, quoi. Donc il y a plein de petites applications assez ludiques comme ça à réaliser et à faire évidemment avec eux dans un premier temps. Et puis après, effectivement, au-delà du GPS, il y a tous les aspects qui concernent les systèmes de projection, les systèmes cartographiques qui sont là, extrêmement importants là aussi pour pouvoir parler de localisation. Et ça, nous, on les utilise d'un point de vue professionnel quasiment tous les jours dès lors qu'on parle de localisation. Une application que je n'ai pas donnée, en fait, c'est la datation des prises de données. Parce que parfois, on a besoin, pour le RGP par exemple, on peut le faire directement, mais on peut le faire après. Donc, il faut bien dater les mesures qu'on fait pour récupérer les données datées du même moment pour le système local. Alors, justement, en parlant de cartographie, est-ce qu'on connaît aujourd'hui le pourcentage de la planète, de la surface qu'on a cartographié de manière précise? Ou est-ce qu'il existe encore des zones d'ombre? J'ai envie. Alors, évidemment, c'est une question amusante. Mais alors, déjà, il y a 70% de la surface du globe qu'on ne connaît pas, c'est les océans. Très peu, là, c'est dans un premier temps. Alors, il y a des programmes qui sont en cours pour cartographier les fonds marins à travers des flottes de drones sous-marins. Voilà, c'est des programmes qui sont lancés, mais qui vont s'étaler dans le temps. Mais c'est effectivement une des données qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est d'abord finalement les fonds marins. Sur la partie terrestre, oui, il y a des zones aujourd'hui qui ne sont pas cartographiées, qui sont liées soit la couverture nuageuse qui ne permet pas aux satellites de pouvoir prendre des images. Voilà, donc on utilise d'autres technologies. Mais globalement, on a une couverture assez élevée. Vous allez sur n'importe quel site aujourd'hui, vous prenez encore une fois les sites qu'on a l'habitude d'utiliser pour se localiser, vous avez souvent et des cartes satellites et maintenant aussi un certain nombre de cartes beaucoup plus précises et thématiques sur les rues, sur l'environnement, etc., etc., qui sont quand même aujourd'hui là aussi largement démocratisées. Après, il y a un certain nombre d'autres sujets qui ne sont pas pour le coup adressés, mais qui, au niveau thématique, j'entends, mais qui vont l'être dans les années futures. Mais j'allais dire, quasiment chaque point du bloc terrestre a aujourd'hui quasiment une image. C'est assez rare qu'on n'en trouve pas. Voilà, au moins des images d'archives, quoi. Juste pour compléter, effectivement, tout dépend ce qu'on appelle cartographier, parce que si c'est pour avoir une image satellite, effectivement, on en a quasiment partout. C'est assez simple. Après, avoir la forme de la géographie, je pense.
pense que c'est fait partout également. Après, si on veut cartographier finement tous les réseaux routiers, les bâtis, on peut ajouter énormément de choses sur un système d'information géographique. On peut même mettre tous les éléments de mobilier urbain. Je ne sais pas, il y a énormément de choses. Tout dépend de ce qu'on cherche à cartographier. Ça, effectivement, on n'a pas une précision sur tous les éléments, tous les arbres, tous les bâtis sur toute la planète. Mais on tend à avoir des choses assez précises, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément uniquement des choses qui sont commandées par les gouvernements. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites en collaboratif, où la population peut être amenée à rajouter des éléments sur un système de cartographie. Je pense notamment à OpenStreetMap, où chaque citoyen peut aider à cartographier sa ville. Au niveau cartographie aussi, les télécoms ont besoin de cartographier les zones urbaines avec les matériaux, les altitudes des bâtiments, et ça se fait régulièrement. Donc on a eu, nous, l'occasion de travailler en collaboration, parce qu'il faut y a un avion qui passe régulièrement, c'est les systèmes de cartographie IGPN, c'est les IGN ou GPN, IGN, et donc ce qui permet d'avoir une bonne représentation après de la propagation des ondes radio en zone urbaine, comment positionner la station de base, etc. D'accord ? Donc après, c'est des systèmes, c'est plus locaux, c'est les locaux qui vont faire ça par rapport à un déploiement ou autre chose. Donc il y a plein de systèmes, il n'y a pas que le GPS. Vous parliez des drones, vous parliez, il y a plein d'autres systèmes. Les zones que l'on connaît moins, par exemple quand on parle du Paris-Dakar, les zones sableuses, c'est des zones qui sont en mouvement. Donc les connaître, on va les connaître un instant, mais quelques mois, quelques années plus tard, ne sont pas les mêmes aussi. Merci. Il y a évidemment le côté thématique, on en parlait. Alors là, pour le coup, comme tu le disais, il y a énormément de choses qui restent à faire. Ne serait-ce que, par exemple, on parle de la surface du globe, mais tout ce qui est souterrain aujourd'hui, on a de plus en plus de réseaux. Quand vous marchez dans la rue, dans certaines grandes villes, c'est plus de 40 réseaux qui passent sous le trottoir. Et là aussi, on a besoin de cartographie particulière. Puis après, tout dépend de la précision à laquelle on descend. Et puis, aujourd'hui, il y a des systèmes comme le gyroscope, comme des systèmes e-beacon pour faire de la cartographie d'intérieur, se localiser en intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'inventer des technologies de demain qui vont permettre de passer d'une localisation extérieure. Vous allez vous trimballer dans la rue, vous allez avoir votre téléphone, hein, et il va vous localiser. Et puis, vous allez rentrer dans le bâtiment. Là, c'est d'autres fonctions de votre téléphone qui vont prendre le relais et qui vont dialoguer avec des puces aussi qui vont être mises à des endroits choisis dans les bâtiments pour vous permettre une localisation complètement fluide, y compris à l'intérieur, effectivement, de zones, entre guillemets, noires pour les satellites. Donc, il y a, de ce point de vue-là, encore beaucoup de choses à inventer, mais c'est en train de sortir là, en ce moment. Hein. Oui, c'est des choses qu'on va évoquer d'ailleurs, enfin, tout cet aspect domotique, cartographie des bâtiments, c'est aussi lié à l'Internet des objets aussi en partie sur la manière dont on conçoit les bâtiments aujourd'hui. Donc on me glisse dans les commentaires que le jeu pourrait être GeoGuess, c'était ça ? C'était ça, voilà. Donc concernant, justement on parlait de cartes tout à l'heure et... Pour des étudiants ou des enseignants qui sont en géographie ou en histoire, on connaît bien l'importance des représentations aussi de ces cartes-là. Nous, on est habitué à voir toujours une carte centrée en Europe. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de précisions, on l'a vu. Est-ce que ça a changé en fait ? Est-ce que les représentations qu'on a aujourd'hui des cartes qu'on utilise globalement et en cours, voire même peut-être sur Google Maps, est-ce qu'on est... on est sur quelque chose qui a cette précision. Est-ce qu'il y a une précision, par exemple, d'échelle par rapport au pays, aux répartitions ? Est-ce que ça a changé, en gros, la représentation qu'on avait du monde qui était uniquement liée aux cartes auparavant ? Je pense qu'il est important maintenant, c'est que chaque personne peut, à l'aide d'outils, je ne le connais pas, mais je pense qu'il y en a sur Internet, se représenter la map monde, mais différemment. Hein. Vous voyez où est l'équateur sur la planisphère. Alors que si vous le recentrez, les Russes utilisent une autre cartographie, on voit bien le nord et tout ça. Donc ça, on va dire, aujourd'hui, on peut mieux visualiser le ressenti des gens sur leur pays, plus comme ça.
Nous, on est intéressé par cette cartographie parce qu'il y a l'Europe qui est bien presque plate, quoi. On a presque réussi à l'aplatir. Ce qui peut avoir changé avec les outils numériques par rapport à une carte ancienne, peut-être papier, c'est qu'on peut avoir une représentation qui déjà peut être tridimensionnelle. Quand on est sur Google Earth, on voit la Terre ronde, sphérique. Et puis, il y a une notion d'échelle et de zoom, c'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir une vue globale, voir le monde, tous les continents, et puis sur la même carte, aller zoomer, augmenter la précision jusqu'à aller au niveau de la rue, tout ça sur le même outil, ce qui n'était pas possible sur une représentation sur une carte papier. Moi je suis de la génération, on est passé justement de la carte papier, de l'atlas papier, à de l'atlas numérique, qui est aujourd'hui dans toutes les GPS de voiture. La différence que j'ai vue, c'est qu'on s'engueule déjà moins en voiture, voilà, et ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, évidemment, la représentation qu'on a effectivement de l'environnement dans lequel on se meut, ça fait partie de beaucoup de travaux justement en ce moment, parce que cette carte un peu 2D aujourd'hui, maintenant tout le monde la maîtrise à peu près, mais il y a aussi d'autres façons demain de symboliser l'espace, y compris dans ces cartes un peu GPS que vous avez dans vos voitures, où il y a aujourd'hui pas mal de chercheurs qui travaillent à rendre cette carte plus conviviale, donc la représentation qu'on a du monde, on part du papier, puis on passe du numérique sur des plus petits écrans, puis etc. Donc la perception qu'on a effectivement change, et puis elle est, je pense, pas prête de changer, parce qu'il y a de grandes innovations qui vont se produire aussi bientôt. Ouais. Oui, je peux citer comme exemple. Donc, il existe un site qui s'appelle The True Size Of, qui permet en fait de comparer des pays en les plaçant sur la carte. Donc, par exemple, de prendre la France et d'aller la mettre au milieu de la Russie pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que ce sont des proportions qui sont un peu biaisées quand on est habitué aux cartes papier. Après, sur les représentations, ça peut aussi dépasser juste le cadre de ce qu'on voit. Il y avait un événement cette semaine sur un petit village d'Islande qui se plaignait auprès de Google Maps, puisque sa cartographie avait été faite en hiver, et que quand les personnes allaient voir la carte, ils voyaient un village tout blanc sous la neige, et que du coup ils se plaignaient du fait que ça a un impact sur la manière dont on voyait le village, et puis du coup sur le tourisme potentiel. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui des choses que les personnes qui travaillent, que l'importance aussi de Google sur ce genre de choses-là, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent sur nos représentations en fait, avec ces supports-là? Oui, ils en ont conscience. Peut-être pas dans le cas que vous citez là, mais effectivement, ça peut avoir l'image qu'on transmet, qu'elle soit en planimétrie ou quand vous êtes dans Street View, par exemple, vous voyez, ça a évidemment un impact. Ils en sont conscients, évidemment, quand vous allez sur ces sites-là, ils floutent les plaques d'immatriculation, ils floutent les personnes, etc., etc. Donc forcément, ils essayent d'aller au maximum de ce qu'ils peuvent, de le respect de la vie privée, parce qu'évidemment, la cartographie devient tellement précise aujourd'hui que, enfin, une image satellite d'un satellite qui aujourd'hui est positionné à 20 000 kilomètres d'altitude, alors peut-être pas celui-ci, mais ceux qui sont en mouvement arrivent aujourd'hui à produire des images dont la résolution spatiale au sol, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pixel, donc c'est l'image la plus petite que vous avez au sol, et de l'ordre de quasiment 20 cm aujourd'hui, et plus pour des satellites militaires. Et là, c'est, quand je dis 20 cm, entre 20 et 40 cm, c'est des applications civiles. Donc on est aujourd'hui, avec toute cette constellation, on arrive à avoir une cartographie rapide, précise, de l'ensemble de la Terre, en fonction des événements qui peuvent s'y passer, que ce soit pour des prévisions météorologiques, pour de la surveillance, pour des cartes d'occupation du sol sur long terme, etc., etc. Donc, évidemment, il faut être extrêmement vigilant par rapport à l'utilisation de ces données-là, mais comme tout type de données, hein, c'est des
voilà, ce sont des technologies qui sont assez intrusives finalement. Alors là, on parle de satellites, donc on prend de haut, donc voilà, mais dès qu'on parle de Street View, etc., on est vraiment au centre de l'environnement des personnes, quoi. Mais ce que tu dis me fait penser, effectivement, la résolution très fine peut faire peur parce qu'on voit très finement, mais ça peut avoir des utilisations très, très intéressantes quand on prend des images satellitaires, la Terre vue du dessus, sur certaines fréquences de captation, pas forcément sur l'œil humain, mais sur de l'infrarouge, des choses comme ça, et qu'on prend des images des champs. On peut voir des caractéristiques sur les végétaux qui peuvent aider ensuite à faire une agriculture plus raisonnée sur l'arrosage, sur l'état d'avancement des cultures, etc. Donc ça, c'est une cartographie qui peut être dynamique et qui peut avoir des intérêts, des usages au-delà de seulement la cartographie. L'Europe se sert de ces cartographies par rapport aux subventions agricoles pour vérifier ce qui a été cultivé, ce qui a été plus ou moins fait, comme vous dites, arrosage, donc pour quantifier, comparer la demande et vérifier ce qui a pu être fait. On peut vérifier à distance quelles sont les cultures. Donc il y a des cultures interdites, on va dire, donc on peut les visualiser aussi. Oui, puis il y a des images fortes hein, qui ont pu être aussi utilisées dans les médias. Je pense notamment aux vues de la planète, avec soit pour représenter la pollution avec l'ensemble des villes illuminées, ou le recul de la fonte des glaces ou de certaines parties boisées. On utilise vraiment, ce sont des outils de cartographie du coup qui sont utilisés aujourd'hui comme des outils de communication pour faire passer des messages. On évoquait tout à l'heure les usages, du coup il y a une question qui porte justement sur l'utilisation du GPS et de la modification de nos usages sur nos moyens de navigation. Est-ce que ça a modifié notre capacité d'orientation, de pouvoir utiliser justement tous ces outils, et est-ce qu'on a des éléments sur cette question? Donc, à un moment donné, j'ai eu sur mon véhicule un GPS intégré. Et en fait, j'ai lâché mon document papier. Et quand j'ai changé de voiture, je suis revenu à une voiture sans GPS. J'ai failli acheter un GPS. J'en ai toujours pas acheté, mais j'en ai sur mon portable. Et c'est vrai que sur le coup, on se repère pas de la même manière. Taper une adresse, on arrive directement devant. Tandis que sur une carte, il faut tout interpréter. Et là, c'est le cerveau qui vous fait marcher les choses. En même temps, quand vous regardez une carte, vous savez que vous passez par telle ville, vous savez qu'il y a un restaurant, vous savez qu'il y a quelque chose autour, il y a des choses à visiter qui peuvent être agréables. Quand vous appuyez sur le bouton destination, je sais pas, vous allez à Bordeaux, vous tracez tout droit. C'est un peu la différence. Après, c'est à soi aussi de ne pas toujours appuyer sur le bouton et regarder, faire confiance au résultat. On lui fait confiance pour arriver à destination. Mais il y a l'entre-deux qui parfois peut prêter, modifier la vision des choses. Et puis effectivement, le problème, c'est qu'avant, on était actif dans la direction qu'on prenait. On réfléchissait, on prenait des repères, et maintenant on est complètement passif, donc il faudrait peut-être demander à des psychologues d'analyser ça, mais le fait d'être passif et de suivre, on ne mémorise plus le chemin, et si on doit le refaire sans GPS, c'est sûr qu'on n'y arrive plus, quoi. Alors ça a sauvé encore une fois beaucoup de couples, hein, mais aujourd'hui les technologies, évidemment, elles évoluent, on est en train de passer là aussi à des modes de GPS assez unilatéral, c'est-à-dire que vous avez une vous allez à une destination donnée. Maintenant, les GPS vont ajouter pas mal de contenu, et notamment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on passe à côté d'un point remarquable, que ce soit un château, un lieu touristique, etc. Donc, ils vont apporter effectivement cette dimension-là au fur et à mesure. Donc, on passe effectivement d'une application avec un usage unique, avec d'autres contenus qui vont pouvoir là aussi enrichir la façon dont on navigue. Donc on n'en est qu'au début, encore une fois, de cette ère-là, qui date seulement d'il y a, pour les technologies démocratisées, d'il y a une grosse dizaine d'années, ou un peu plus, une vingtaine d'années, quoi.
sans compter la couche trafic, donc qui est apportée par tous les utilisateurs d'un système de navigation, qui sont donc localisés, on peut voir s'ils avancent lentement ou rapidement, qui du coup a complètement changé les usages, puisque ça nous permet d'éviter les embouteillages. Alors oui, donc il y avait une question effectivement là-dessus, c'est est-ce que ça évite vraiment les embouteillages? Puisque aujourd'hui on sait qu'on a la capacité voilà, de tracer des véhicules, quand on est sur n'importe quel navigateur, on va avoir des recommandations d'itinéraires qu'on peut même régler voilà, pour éviter certains trafics. Est-ce que, pareil, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a vraiment aidé à libérer du trafic ou, juste rajouter, oui. Alors, là encore une fois, le système, il peut être assez directif quand il y a des applications comme Waze, etc., qui vous font passer par des chemins détournés. Donc, c'est plutôt assez performant. Bon, il se trouve que ça a des effets de bord. Là aussi, on parle souvent de cette commune aux alentours de Paris. Alors, je ne sais plus où elle est exactement, qui a vu toute une partie du trafic de l'autoroute A6 passer par sa commune, qui n'était pas du tout adaptée pour supporter ce type de trafic. Et donc, du coup, ça crée des effets pervers, là aussi, qui sont à déplorer. Encore une fois, on en est au début. La cartographie mêlée demain à l'intelligence artificielle va pouvoir là aussi disperser les flux de façon intelligente sur l'ensemble des axes du réseau. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille qui demain vont pouvoir là émerger. Et là où il y a peut-être une ou deux solutions uniques proposées par le GPS aujourd'hui, il y en aura peut-être 50, mais qui vont être pondérées par effectivement l'ensemble des autres utilisateurs. Voilà, donc c'est la communauté effectivement des utilisateurs qui fait que plus toute l'intelligence qui est mise au service de ce type de cas d'usage. Ouais. Puis après, c'est en capacité à éviter les embouteillages à partir du moment où le réseau routier n'est pas lui-même saturé. Parce qu'on aura beau prendre tous les chemins quand on est à Nantes, par exemple, voilà, c'est saturé partout. Je voulais juste rajouter, parce que pour vous, le GPS fait la cartographie, fait tout. Pour moi, le GPS, c'est une application satellitaire avec de l'électronique qui génère des données. Et vous, vous êtes utilisateur de ces données pour en faire des applications diverses. Et ensuite, vis-à-vis d'autres applications, vous avez les relier toutes ces données pour faire encore de l'augmentation d'intention de ce que l'on veut. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut rajouter. C'est pour ça que je dis, il y a le GPS qui est un moyen matériel. Il y a d'autres choses. C'est ouvert, c'est plus aussi. Il y a des parties payantes et des parties ouvertes. Et c'est dans tout cela qu'il faut travailler ensemble pour avoir les choses. Donc le GPS, il existe. Bon, il y a le GNSS maintenant qui vous donne encore plus d'informations. Derrière, c'est toute cette intelligence qu'il va falloir mettre dans un volume le plus petit possible, le moins cher possible. Ça, c'est encore d'autres choses pour que tout le monde puisse avoir son matériel. Ensuite, les données satellitaires, enfin les bases de données géographiques changent au fur et à mesure du temps, enfin les routes et tout ça. Donc, il faudra trouver des moyens plus simples de recharger, remettre à niveau ou je ne sais pas comment. Mais ce n'est pas le GPS en directement qui fait ça, c'est un peu plein d'autres choses. Oui, puis dans toutes ces applications, en tout cas aujourd'hui, le GPS, nous, on l'utilise assez régulièrement. Même quand on prend, vous citiez tout à l'heure le cas des drones, ou quand on fait passer un appareil aérien pour prendre un certain nombre de prises de vue, on est obligé de recaler les images. Et pour recaler ces images-là, on est obligé de passer par l'implantation de points GPS au sol qui vont nous permettre derrière de caler, géoréférencer l'ensemble de ces images-là. Et donc, cette technologie, elle est inventée il y a quelques dizaines d'années, mais elle est aujourd'hui fondamentale dans l'ensemble des applications qu'on utilise aujourd'hui. Pour le repositionnement des images, moi j'avais utilisé un petit puzzle. Il suffit qu'il soit décalé un tout petit peu, ça passe pas bien. Il faut le remettre en état, donc le re-géolocaliser, le retracer. Et il y a des procédés maintenant d'images qui existent. On prend ce qu'on appelle des pavés, qu'on met l'un à côté de l'autre, ils se superposent, donc il faut les aligner, les superposer, les réaligner. C'est du traitement d'image complet. Oui, donc j'ai d'autres
questions qui sont un peu liées aussi sur les usages et puis l'influence que ça peut avoir sur la manière dont on fonctionne. C'est vrai que ça quitte un petit peu notre domaine d'expertise parce que là, on va se poser des questions effectivement de psychologie, de neurosciences, plutôt sur les sciences humaines. Je peux quand même éventuellement noter qu'il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps qui compare justement le fonctionnement des parties de cerveau qui sont mobilisées entre des chauffeurs de taxi parisiens et londoniens. Les parisiens utilisant davantage le GPS que les taxis londoniens. Et du coup, il y a une étude en cours qui compare justement est-ce que ça a réellement une influence de moins utiliser, de moins réfléchir et de ne pas utiliser ces parties de cerveau-là. J'ai une autre question. Oui, vous voulez rebondir là-dessus? Je rebondis juste là-dessus. C'est ce que vous avez dit. On en a parlé tout à l'heure. Sur le fait d'utiliser ou pas, on réfléchit moins. On fait confiance, c'est tout ça. Et après, les vieux taxis parisiens, quand vous lui donniez une rue, ils savaient à peu près toujours où c'était. Après, bon, ils réfléchissaient certainement. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez un taxi à Paris, bip bip, et il se dirige. Alors, une petite question technique aussi qui est liée aux usages. Est-ce qu'on connaît à quelle fréquence notre position est calculée sur un téléphone classique, justement, quand on a le mode de localisation activé ou pas? Et une question qui est liée aussi, est-ce que c'est lié justement au fait d'activer cette localisation ou est-ce qu'on peut éviter justement d'être tracé de cette manière-là sur nos téléphones portables? Alors éviter, j'en sais rien, mais je pense qu'aujourd'hui, on va dire, on est tous tracés de différentes manières. Et ensuite, la période, je pense que c'est assez rapide parce que c'est le temps d'acquisition, puisqu'on a des doutes, on a des questions, on fait une acquisition, et c'est ça qui va prendre du temps, parce qu'on fait des comparaisons, et puis à un moment donné, faut toujours se poser la question, est-ce que mon résultat est bon, et tout ça, donc il se pose la question à l'intérieur. Et à partir du moment où c'est bon, il fait du suivi de satellite. Il sait qu'à un moment donné, il y a un satellite qui va disparaître, il se synchronise sur l'autre, c'est quasi instantané. Et donc derrière, c'est ultra rapide. Et là, ça va dépendre de la vitesse des processeurs, des calculateurs. Et aujourd'hui, ça évolue à grande vitesse. Pour rebondir, sur les téléphones portables aujourd'hui, c'est des véritables machines de guerre de calcul. Et pour la localisation, dès lors que vous activez la fonction de localisation, les dernières générations de portables sont synchronisées ou synchronisées avec des satellites de la galaxie GPS, de la constellation GLONASS aussi maintenant, de Beidou les Chinois, Galileo certains aussi. Donc les dernières générations ont la possibilité de se localiser avec une myriade de satellites. Et quand on sait que plus vous avez de satellites en vue, j'allais dire, plus la précision est meilleure. Donc forcément, la puissance de calcul plus le fait d'avoir plusieurs constellations fait en sorte que là, la précision de votre portable demain, elle sera aujourd'hui, elle est d'ordre de 5 mètres à peu près. Elle est aujourd'hui dans les dernières générations du mètre. On sera sans doute dans les 10 cm ou 20 cm dans quelques années. Quoi. Ça, c'est très clair. Et puis après, si vous coupez cette fonction de localisation, là, effectivement, normalement, vous êtes censé plus avoir la fonction GPS. Voilà. Après, il reste les fonctions de triangulation de l'appareil. En mode évidemment télécom, hein, j'allais dire. Alors, j'ai plus les termes techniques, mais là aussi, vous avez une fonction de localisation à travers cette triangulation des antennes qui permet de vous localiser à quelques dizaines de mètres près. Quoi. Ouais, c'est ce que je voulais dire, effectivement, que si on coupe le GPS, bon, déjà, on sauve la batterie un petit peu, on est moins localisé, il reste la triangulation par les antennes GPS qui est moins précise. Il y a aussi autre chose qui géolocalise sur les téléphones, c'est le réseau Wi-Fi. Puisqu'on est, quand on allume le Wi-Fi, on se connecte à une borne Wi-Fi qui sont elles-mêmes géolocalisées. Donc si on veut éviter d'être géolocalisé, il faut couper le GPS, il faut couper le Wi-Fi, et après, on n'a plus de... Il faut couper le téléphone, mais bon voilà, il reste le réseau téléphonique, mais qui est quand même beaucoup moins précis. Le GPS, c'est partout? Et même donc, votre téléphone portable, vous n'avez pas de remise à l'heure. Okay, il est toujours à l'heure, parce que le GPS est à l'heure. Et aujourd'hui, la majorité des montres électroniques ont un GPS intégré. Okay.
Et donc, bientôt, demain, il y aura tout qui sera, tout est basé sur le temps, c'est ce que je disais un peu. Et donc, on sera tous à la même heure. Donc, il y a plein d'objets hein, qui sont dits connectés, connectés au sens horloge. Et donc, tout va être bien synchronisé et tout ça. Il y a plein de choses sympathiques à regarder derrière. Sympathique et pas sympathique, d'ailleurs aussi, mais bon, ça, c'est un autre. Oui, et puis en termes d'activité aussi, liées justement à ces données qui sont récoltées, on peut rappeler que avec le changement de que l'arrivée de la RGPD, on a eu accès à pas mal d'informations que, du coup, certains sites avaient l'obligation de nous rendre accès à ces infos-là. Donc on peut le faire, par exemple, sur Google et notamment sur Google Maps, en allant sur le site de Google, on peut récupérer nos informations personnelles et parmi la masse conséquente d'informations qu'on peut récupérer, on a justement nos localisations avec les points GPS et l'ensemble des trajets du coup qui ont été enregistrés, puisque Google fait ça aussi régulièrement et nous rappelle gentiment nos déplacements du mois ou de l'année avec l'ensemble des déplacements. Donc ça peut être des types d'activités intéressantes à faire pour aller voir justement quelles informations on a pu laisser sur nos smartphones. On a évoqué tout à l'heure le nombre de satellites qui étaient en activité. Est-ce qu'on connaît le nombre de satellites du coup qui ne sont plus en activité? Et il y avait puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a des problèmes justement de pollution liés à la masse de satellites qui ont été envoyés et qui le sont encore, dont beaucoup sont des GPS. Est-ce qu'on connaît un petit peu le nombre total de satellites qui ont été employés? Donc les satellites, il y en a 4 à 5, 6, c'est mon collègue qui répondrait plus précisément, qui sont lancés par an pour une constellation, par exemple GPS. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a des satellites, quand ils tombent, ils font tomber plutôt dans des zones pacifiques et autres, mais qu'ils arrivent, s'ils ont encore de la matière, de la masse pour être dirigés, et on peut les diriger donc vers des endroits où il n'y a plus personne. Alors les satellites qui polluent principalement, je dirais, c'est plutôt les satellites géostationnaires. Il y en a certains, on ne sait pas trop quoi faire. Alors on les laisse tomber doucement, mais il faut bien penser qu'ils vont peut-être tomber un peu n'importe où. Alors on peut espérer qu'ils soient quasiment brûlés en tombant, parce qu'il y a, il y a une partie qui, si vous traversez, ça se met à chauffer dans tous les sens. S'il y a un angle, c'est un peu... On fabrique une météorite, les météorites qui rentrent sur Terre, voilà, les étoiles filantes. Mais il y a des choses qui peuvent tomber, et peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont peur de faire tomber aussi. Après, quand ça part dans l'espace, on n'a pas trop envie, parce que, bon, après, on va dire, ceux qui pensent qu'il y a des extraterrestres, c'est une mauvaise vision, des choses comme ça. Okay, donc, ils pensent à ça aussi, je pense. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent en l'air. Il y a aussi des boulons, des écrous, qui sont au milieu de tout ça. Donc la station ISS, de temps en temps, s'élève de 50, 100 mètres, ou baisse, parce qu'il y a une trajectoire, deux trajectoires qui risquent de se croiser. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses en l'air. Combien, j'en sais pas. Je sais que il y a une mission du CNES qui est de cartographier tout ça, de savoir précisément où sont tous les objets. D'abord, quand on envoie une fusée, il faut bien sûr savoir que la voie est libre. Okay, parce qu'à ces vitesses-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écrou, un petit boulon, hein, ça traverse la navette. Hein. Il n'y a rien qui résiste. C'est une inertie, c'est des masses équivalentes énormes. Et que ça devient un problème justement pour les plans de vol, pour les lancements, parce qu'il faut pouvoir partir au bon moment ou dans des fenêtres qui sont de plus en plus courtes puisque la masse d'objets en circulation est importante. Aujourd'hui, il y a des programmes qui, que ce soit les Américains ou les Japonais, travaillent sur des solutions justement pour nettoyer un peu l'espace proche de la Terre pour éviter ces problèmes-là. Là, vous l'évoquiez, donc il y a une carte effectivement de la NASA aussi qui est accessible où on peut suivre l'ensemble
des débris qui tournent justement en orbite. Donc il y en a des centaines de milliers et on peut suivre chaque débris à la trace et le rattacher aussi à l'ensemble de ces débris, donc de savoir de quel appareil il s'agissait, à quoi ça servait et combien de débris sont liés à ce vol-là en particulier. Donc ça peut être aussi assez intéressant à faire en cours. C'est aussi pour ça que l'espace se met à l'heure du recyclage, typiquement avec SpaceX qui essaye de recycler ses lanceurs, etc. Ça fait aussi partie, au-delà des économies évidemment substantielles que ça génère, d'une certaine forme là aussi, de pollution de l'espace en diminution. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait réfléchir, y compris ces sociétés-là. Après le nombre de satellites, je crois que Constellation GPS, il me semble, effectivement, je crois que vous avez présenté un tableau là tout à l'heure, il y en a à peu près une trentaine par constellation, quoi. Il y en a 24 en activité, 6 de rechange généralement, c'est pour Galiléo, c'est ça. GPS, il me semble que c'est la même chose, donc il y a entre les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, il y en a déjà une grosse centaine, et il y a les Indiens qui arrivent là aussi. Voilà, mais c'est, je pense, une infime partie du nombre de satellites qui tournent aujourd'hui autour de la Terre, quoi. Au niveau position satellite, tous les 3 degrés, il y a non pas un des satellites, il y a un système de télédiffusion par satellite. Et je crois qu'il y a 6 ou 10 satellites sur le même point. Alors on vous dit, ils sont sur le même point, mais ils sont distants d'une quarantaine de kilomètres. C'est une petite figure qu'ils font, un petit cube qu'ils font en figure. Un cube, une forme parallépipédique, je ne sais pas trop comment. Donc il y a du monde là-haut, tout à fait. Alors un satellite aujourd'hui géostationnaire est prévu pour une durée de vie quand même de 15 ans. C'est vrai qu'au début des satellites, c'était 3-5 ans, ça a évolué progressivement, c'est rendu à une quinzaine d'années. Les satellites en orbite moyenne, je ne peux pas vous dire. Okay. Donc après, il y a des pannes, donc il y a des satellites de remplacement, et hop, ils changent d'endroit, ils se mettent au bon endroit pour remplacer l'autre. Ce qu'ils font de l'autre, je pense qu'ils le font descendre. Personnellement, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Voilà. Alors, comment ils les font descendre, justement, si on peut? En fait, pour un satellite géostationnaire, en fait, il n'y a pas de moteur. Hein, dans la science-fiction, vous voyez des propulseurs dans le vide, ça ne sert à rien. Vous pouvez souffler tant que vous voulez, vous restez sur place. Donc, c'est un échange de masse. Donc, il faut qu'il reste un peu de masse pour diriger le satellite géostationnaire. Donc, le point géostationnaire, c'est un point à l'équilibre. Si on se trompe un peu, on s'en va. Si on se trompe un peu, on tombe. Donc l'idée de... je crois que c'est tous les 8-10 jours, ils remettent un petit coup pour remonter, un petit coup pour redescendre. En fait, ils sont jamais stables. Hein. C'est autrement, ils useraient leur réservoir de masse allègrement. Donc pour que ça dure 15 ans, ils ont réfléchi à tout ça pour des économies. Et donc s'il reste un peu de masse, on peut le diriger. Et après, du point de vue trajectoire, on ne le dirige pas pour le jeter. On le fait dériver lentement. On peut encore se servir des satellites qui sont en dérive, on peut s'en servir, on peut les suivre et s'en servir. Parce que du point de vue électrique, c'est les panneaux solaires qui chargent les batteries, donc ça peut encore fonctionner. J'ai une nouvelle question qui dépassera peut-être également notre champ de compétences. C'est le lien entre la criminalité et les traceurs GPS. En gros, ce que dit la loi sur l'utilisation des trackers GPS. Je pense que ça peut aussi concerner dans les usages justement le fait qu'en fait cette technologie-là soit aujourd'hui extrêmement accessible. Aujourd'hui, on peut trouver aussi voilà des traceurs pour suivre à la trace, pas que pour s'aider à trouver les bons chemins en voiture, mais éventuellement pour suivre des personnes, pour espionner aussi dans la vie personnelle. Est-ce que vous avez des commentaires ou des éléments? Non, j'ai pas. Là, pour le coup, c'est plutôt dans le champ du juridique, donc c'est des choses qui, moi, me dépassent un peu. En revanche, évidemment, il y a plein de, pour le coup, de cas qui sont apparus dans la presse. Voilà,
des problématiques, par exemple, de sûreté de sites militaires, où les chemins de ronde avaient pu être connus grâce, effectivement, soit aux montres des militaires qui faisaient les rondes, etc. Et donc, du coup, il y avait des failles dans les systèmes de sécurité. Donc là, typiquement, on est plutôt dans le champ de la protection. Après, dans le champ de la criminalité, il y a les bracelets électroniques qui sont là aussi équipés, qui peuvent suivre. Donc, il y a le côté aussi encadrement et puis accompagnement. Donc, je ne peux pas répondre à cette question sur cette partie. Enfin, je sais pas si quelqu'un à la réponse sur ce que dit aujourd'hui la loi sur l'utilisation de ces traces GPS dès lors que c'est pas fait avec le consentement de la personne. J'imagine que ça tombe dans le champ du RGPD. Hein. Pour moi, c'est la donnée personnelle. Ouais, on est dans la donnée personnelle, donc on ne peut pas l'utiliser sans avoir demandé l'accord de la personne qui produit la donnée, enfin, qui possède la donnée. Il faudrait demander un avocat spécialiste en données. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que sur les questions légales, la gendarmerie, la police nationale est à l'écoute aussi pour les enseignants. Donc ils font des interventions dans les établissements scolaires justement pour parler entre autres de cybercriminalité, de cyberharcèlement, mais ils peuvent aussi répondre à ce genre de questions-là sur ce qu'on a le droit de faire, pas faire et sur ce que ça peut impliquer. Donc n'hésitez pas à les contacter pour qu'ils puissent répondre à ces questions-là ou même venir dans votre établissement, ça peut être des thématiques qui sont intéressantes aussi à traiter. Pour conclure, est-ce que on peut évoquer, justement là on voit que ce thème est très large, est-ce que ça a un intérêt pour les entreprises justement? Vers quoi on peut se diriger de l'utilisation soit de la cartographie, soit des données GPS? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les années à venir? Est-ce que ça peut apporter pour les utilisateurs et aussi pour les entreprises? Non, mais les champs d'application, là, pour le coup, sont colossaux. Les applications existent. Beaucoup d'applications existent déjà. Rien que dans le champ géomarketing, typiquement, il y a des cas d'usage. Géolocaliser ses clients, pouvoir là aussi dire en combien de temps je suis en capacité de livrer tel ou tel colis en fonction effectivement du temps, donc des calculs de d'isochrone, voilà. Donc des cartes et des applications, il y en a pour la sécurité, il y en a pour le géomarketing, il y en a pour l'agriculture, il y en a pour dans toutes les thématiques aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un champ aujourd'hui qui échappe au système d'information géographique au sens large. Clairement, nous on le voit, on en déploie régulièrement, et c'est vrai que c'est des métiers d'ailleurs assez passionnants que j'invite les professeurs à encourager leurs élèves parce que à se renseigner sur ces filières-là parce que c'est des métiers où on touche à tout, parce que la géographie, effectivement, transpire un peu dans tous les métiers, encore une fois. Donc on va faire, encore une fois, ça peut être des réseaux, ça peut être du foncier, ça peut être des applications. Vous voyez, il y a assez peu de champs, encore une fois, d'usage qui échappent à cette notion de cartographie, de géolocalisation, quoi, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va devenir, ce que les entrepreneurs pourront inventer, parce qu'effectivement, c'est des données hyper intéressantes sur lesquelles on peut inventer énormément d'usages. Mais c'est vrai que maintenant, la cartographie n'est plus qu'en 2D, elle est en 3D. Donc ça permet énormément de calculs qui sont hyper intéressants. Notamment, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On parlait du foncier. Quand on construit un bâtiment, on peut modéliser tout le quartier, aussi bien le bâti que les rues, que les végétaux, pour connaître ensuite l'éclairage qu'il pourra y avoir dans le futur immeuble qu'on construit, l'impact qu'il peut avoir sur le climat, sur le vent, sur l'ambiance dans le quartier, sur l'éclairage sur le bâtiment d'à côté. Donc ça peut aussi bien servir à géolocaliser les personnes pour faire de la publicité ciblée que faire des calculs mathématiques dans divers champs d'application. Et puis aussi des champs
au-delà de l'entreprise, des champs associatifs, des champs aussi dans le domaine humanitaire. Il y a beaucoup d'applications aussi qui là sont mises en œuvre pour géolocaliser les camps de réfugiés, par exemple, pour subvenir et venir en aide aux populations victimes de phénomènes naturels météorologiques, et donc le suivi des traits de côte, suivi des inondations, suivi de prévention de phénomènes météorologiques, etc. Donc la cartographie, elle rentre aussi dans tous ces champs-là, et elle a d'énormes vertus, effectivement, d'anticipation. Et puis au-delà des aspects de surveillance et qu'on a pu voir précédemment, il y a aussi tous ces aspects-là qui sont vraiment importants et pour lesquels la cartographie les systèmes d'information géographique au sens large sont utiles et utilisés, quoi. Oui, et il ne faut pas hésiter non plus à aller essayer soi-même. On a évoqué très rapidement les communautés OpenStreetMap, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives sur tout le territoire avec des activités qui sont très variées, qui vont de la reprise de la reprise de contrôle sur notre territoire, justement en faisant de l'exploration, en allant améliorer les cartes, en créant nos propres cartes aussi. Ici à Nantes, on a Data Nantes qui permet notamment de construire ses propres cartes, de pouvoir isoler énormément de points qui sont justement fournis par les données en ressources libres. Donc il ne faut pas hésiter non plus à aller expérimenter ça soi-même pour reprendre un petit peu de contrôle sur ces données. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous ici. On a vu que c'était un thème qui était très, très large, avec beaucoup de choses qui couvrent énormément de champs. Donc ça pourra, pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, je pense qu'elles pourront trouver leur réponse dans le MOOC du coup qui sera accessible demain, qui ira un petit peu plus dans les détails, et on pourra justement, vous pourrez voir des points beaucoup plus techniques. La prochaine conférence du coup se tiendra jeudi prochain, donc nous n'aurons pas de conférence mardi. Le jeudi 21 mars, donc elle aura pour thème l'informatique embarquée et les objets connectés. Donc je vous donne rendez-vous directement sur le stream de l'Université de Nantes pour la conférence de jeudi. Merci encore à vous.